Je m'appelle José. Je suis guatémaltèque. Je suis content que vous parliez toutes et tous aussi bien l'espagnol pour m'entendre aujourd'hui. J'aimerais vous amener avec moi au Guatemala, dans mon village de Rio Negro, dans les montagnes, au nord de la capitale. En 1982, j'avais 10 ans. Et à l'époque, mon pays vivait un grave conflit armé interne. Il y avait d'un côté des mouvements insurgés, la guérilla. Il y avait de l'autre côté les troupes gouvernementales, mais aussi des troupes paramilitaires. Mon village était dans une zone très prospère et nous cultivions nos terres, mes parents cultivaient leurs terres. Mais il y avait un projet de construction d'un barrage hydroélectrique dans cette zone-là et on nous a demandé de quitter nos terres. Ma famille, comme toutes les autres familles de la communauté, ont refusé. Et il s'est mis à avoir des conflits, des troubles dans la région. Et à cause de ces troubles-là, on a commencé à nous identifier comme étant un village sympathique à la guérilla. Évidemment, on n'avait rien à voir avec la guérilla. Ni mes parents, ni moi, ni mon petit frère. On n'avait rien à voir avec la guérilla. Mais à l'époque, le gouvernement guatémaltèque a mis en place une stratégie dite de la terre brûlée. En disant la guérilla trouve ses sources, son financement, son alimentation dans les petits villages des campagnes. Si on rase les petits villages des campagnes, si on s'en débarrasse, on va se débarrasser de la guérilla. Une nuit, un vendredi de décembre 1982, une troupe d'élite de l'armée guatémaltèque est entrée dans mon village. Ils ont frappé à toutes les portes, ils nous ont fait sortir. Ils ont demandé aux enfants d'aller d'un côté, aux femmes d'aller de l'autre, aux hommes encore d'aller de l'autre côté. Et systématiquement, le massacre de ma communauté a commencé. On pense souvent qu'un massacre, ça dure quelques instants, mais à l'époque au Guatemala, et on le savait, les massacres, c'est une question systématique, méthodologique. Et ça s'étendait sur une fin de semaine, dans le cas de mon village. On a d'abord tué ceux qui étaient en train de résister, des hommes pour la plupart. Une balle, deux balles dans la tête. C'était des pères de famille, des frères. Ensuite, cette troupe d'élite, ils étaient 17, ce sont des hommes surentraînés et surarmés, se sont mis à violer les femmes. Certaines d'entre elles étaient des femmes enceintes. On les a couchées par terre. Devant nos yeux, on s'est mis à les battre, à coups de pieds, à coups de mains, dans leur ventre. Elles imploraient la pitié. Les hommes rigolaient. J'ai vu ma mère se faire violer devant moi. On violait aussi les filles devant leur mère. À la fin de la première journée, on a demandé aux femmes qui avaient été violées, battues, torturées, de préparer la nourriture pour la troupe d'élite. Tranquillement, ils ont mangé, ils ont bu devant celles et ceux qui restaient toujours vivants. Le lendemain, c'est là que la tuerie a vraiment commencé. Systématiquement, on s'est mis à tuer tous les hommes, d'abord. On s'est attaqué ensuite aux enfants, même aux bébés. Les balles, c'est une commodité très importante dans un conflit comme celui-là, il faut les épargner. Alors, pour les enfants qui étaient les plus petits, on les prenait comme de vulgaires objets, de vulgaires pantins. Et on fracassait leur crâne contre des troncs d'arbres jusqu'à ce qu'ils en meurent, toujours en rigolant. Ensuite, on a achevé les autres enfants, mes cousins, mes amis, devant moi. J'ai essayé de m'enfuir,
J'ai presque réussi à une ou deux reprises. On ne m'a pas tué, je n'ai pas vraiment compris pourquoi. J'étais avec mon frère de 2 ans. On m'a ramené pour que j'assiste à la continuation du massacre. Ensuite, on a pris les corps, on les a jetés dans le puits de notre communauté, qui est un très grand puits. On a jeté les corps. On entendait encore des gémissements, il y avait encore des gens qui étaient vivants, qui imploraient la pitié, qui disaient « Aidez-nous, on est toujours en vie. » Comme unique réponse, on a jeté les bombes à fragmentation dans le puits, on a fait sauter le tout et on a tiré à la mitraillette pour s'assurer que tout le monde était mort. À la fin, il ne restait plus personne. Il ne restait que moi et mon frère. On m'a amené, le soir, dans les montagnes, tout près du village. Je suivais les militaires, j'étais effrayé, j'avais toujours mon frère de 2 ans avec moi. On marchait, j'étais fatigué, mon frère était épuisé, il avait seulement 2 ans. À un certain moment, on s'est arrêté et on me dit « Ton frère nous ralentit. » Je l'ai pris sur moi, je l'ai porté sur mes épaules. Je suis allé aussi loin que je pouvais, mais j'en pouvais plus, j'étais fatigué. Je n'arrivais plus à les suivre. Alors de nouveau, la troupe s'est arrêtée, puis on m'a dit « Ton frère nous ralentit, on ne peut plus le garder avec nous. » Je les ai implorés, j'ai dit « Non, pas mon frère, pas lui. S'il vous plaît, laissez-moi, je peux encore le porter. » Mais non. Un soldat s'est emparé de lui, lui a attaché le cou, les pieds, puis l'ont jeté dans le fond du ravin qu'on longeait. Il est mort dans le fond du ravin. Mon frère de 2 ans. Ensuite, j'ai compris pourquoi on m'avait gardé en vie, moi, l'unique survivant de ma communauté. On m'a amené dans une famille, qui était la famille d'un de ces soldats-là, où on m'a utilisé comme esclave pendant 2 ans. J'ai fait des travaux ménagers. J'ai labouré la terre, on m'a battu avec le même bâton qu'on bat, avec lequel on bat les animaux. On m'a enchaîné comme un animal, pire qu'un animal. On m'a battu au sang à plusieurs reprises. Finalement, ma sœur, après 2 ans, m'a retrouvé, un peu par hasard, dans le village, tout près de ma communauté. Elle est allée implorer la famille de me rendre à elle. D'ailleurs, elle était vivante parce qu'elle était partie de la communauté la fin de semaine du massacre. Elle a imploré la famille de me rendre à elle en les remerciant d'avoir pris si bien soin de moi pendant 2 ans. J'ai pu refaire ma vie. J'ai finalement étudié en droit. Et j'ai fondé plus tard une association d'aide aux victimes des massacres du Guatemala. Parce que des massacres comme celui-là, il y en a eu plus de 600 dans mon pays pendant cette époque. 200 000 morts, principalement de la communauté maya à laquelle j'appartiens. Et cette association, aujourd'hui, mène des dossiers comme celui-là pour rendre justice aux victimes. Et dans le cas du massacre de ma communauté, nous avons réussi à faire condamner l'État guatémaltèque pour crime de guerre, crime contre l'humanité. Nous avons aussi fait reconnaître la responsabilité d'un certain nombre de personnes qui ont commis ces crimes-là. Et aujourd'hui, nous continuons dans d'autres dossiers. Voilà, en quelques minutes, résumer mon histoire. Rebonjour, je suis Pascal Paradis, je suis directeur général d'Avocats sans frontières. Notre organisation a comme objectif d'aider des gens comme José à obtenir justice, d'appuyer les avocats, les organisations de la société civile, qui les appuient dans leur quête de justice. Avocats sans frontières, c'est un groupe d'avocats, mais aussi de personnes très engagées, ici à Québec, à travers tout le pays, par des bénévoles, mais aussi sur le terrain, avec des partenaires, qui ont comme quête de faire en sorte que ce genre de choses-là ne se reproduisent plus jamais. Ce sont des gens qui cherchent à redonner une certaine beauté à la vie, pour vaincre la laideur extrême, la laideur qui n'est pas la laideur physique, ce n'est pas celle dont je vous parle aujourd'hui, mais qui est la laideur, évidemment, de l'intention, la laideur du geste, la laideur de l'âme, la laideur de l'injustice. Alors, nous, si vous voulez, quand on est devant notre téléviseur et qu'on regarde ce qui se passe actuellement, on peut parler de Boko Haram, on peut parler du Nigeria, on peut parler d'Afghanistan, du Pakistan, etc., on voit toutes ces atrocités, toute cette laideur et tout ce mal, puis on se dit, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on se dit, on peut faire quelque chose. On peut faire en sorte
qu'il y ait une certaine justice. Donc, quand Jacques m'a approché, évidemment, pour cette conférence-là, je me suis dit, bien, comment on peut l'aborder? Il l'a mentionné un peu. L'idée, c'était de faire le lien entre ce thème et nos activités et le genre de choses qu'on voit dans nos dossiers. Et je me suis dit, tiens, on va voir un petit peu de qui on parle. Puis en même temps, ça va vous permettre de vous expliquer qu'est-ce qu'on fait pour vaincre cette laideur-là. Ça ici, ce sont... Désolé, la photo n'est pas très bonne. C'est moi qui l'ai prise pendant le procès de Laszlo Seret. Soit dit en passant, le témoignage que je vous ai fait tout à l'heure, tout ce qu'il contient est entièrement vrai de A à Z. Et je peux vous dire que je vous ai épargné les détails les plus atroces, les plus difficiles. Si vous voulez, même, on peut en parler plus tard, mais tout ça, c'est vrai. La seule chose que je me suis permise, c'est que c'est un mélange de trois témoignages puis de trois massacres distincts. Mais tout ce que je vous ai raconté, c'est vraiment passé. Puis à la toute fin de ma conférence, je vous parlerai de la personne qui a inspiré la majeure partie de ce témoignage-là, qui est une personne qui existe vraiment, avec qui on travaille, et qui est une personne d'une beauté extraordinaire. Mais donc, tout ce dont je vous ai parlé, c'est très vrai. Ça, donc, c'est le procès du massacre de la communauté de Laszlo Seret. Donc, une partie de ce dont je vous ai parlé s'est passée dans ce village-là. C'est un autre village. Moi, je vous ai parlé de Rio Negro. C'est un des 600 massacres. Il y en a un autre à Laszlo Seret. Ça, c'est quatre des soldats dont je vous ai parlé. Peu importe leur nom, là, puis on les voit mal, mais la question que je me pose toujours, c'est est-ce que la laideur interne, la laideur de l'intention peut se voir dans le visage des gens? Ma conclusion, c'est que pas vraiment. Ça, c'est quatre des personnes donc, qui ont commis ce massacre-là à Laszlo Seret. C'était la même chose, 250 victimes massacrées en deux jours. Les femmes, les enfants, tout ce que je vous ai raconté, c'est vrai. Alors, ils tuent les bébés, ils tuent les femmes enceintes. Dans les listes de victimes avec lesquelles on travaille, il y a souvent ce moment atroce où on voit, c'est des numéros avec des noms, puis à la fin, souvent, il y a des numéros avec des espaces blancs à côté. Premier réflexe, c'est de dire, ben, ils se sont trompés, tout ça. Non, ça, c'est des victimes qui n'avaient pas encore de nom. Parce que ce sont des bébés naissants, mais on les a éliminés quand même. Ça, c'est des gens qui sont capables de commettre ce genre de choses-là, de tuer des bébés naissants, de battre des femmes enceintes pour leur faire du mal psychologiquement avant de les violer et avant de les tuer. Est-ce qu'il y a une plus grande laideur que ça? Difficile à dire. Ça, eux, ils ont été condamnés au terme d'un procès, donc on a appuyé. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on envoie des avocats, des juristes, certains qui vont pour 10 jours pour travailler un thème précis, certains pour 6 mois, certains pour 1 an, certains pour 2 ans, qui aident à monter ces dossiers-là. La méthodologie, la documentation, préparer les témoins, préparer les argumentaires en droit international, c'est ça qu'on fait. Et ça sert à quoi? Bien, ça sert à faire en sorte que ces quatre personnes-là ont été condamnées il y a 3 ans pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, meurtre, etc. Puis ils ont une peine symbolique de 6 000 ans de prison. La stratégie, nous, qu'on a, c'est qu'on commence par les auteurs matériels. On appuie, évidemment, les avocats. Quand je dis « on », c'est surtout nos partenaires locaux, mais on appuie les associations. Puis on va d'abord chercher les auteurs matériels, ceux qui ont tué, ceux qui ont torturé, ceux qui ont violé. Ces quatre-là. Ensuite, leur commandant. Celui à gauche, c'est Pimentel Rios. Pimentel Rios, c'est celui qui commandait le bataillon pour ce même massacre dont on vient de parler. Lui, c'est celui qui planifie l'opération, qui s'assure que les routes d'accès sont bloqués pour qu'on puisse massacrer tranquillement. C'est lui qui s'assure que les troupes vont procéder méthodologiquement puis que tout le monde va être mort, mais qu'on en garde quand même 1 ou 2 vivants qui servent comme esclaves après. Tout ça, c'est vrai d'ailleurs. Mais aussi que les gens puissent, qu'il y en ait 1 ou 2 qui puissent parler de ce qui s'est passé, parce qu'il faut semer la terreur, évidemment. Lui, il a été condamné au terme d'un deuxième procès. Même chose, crime de guerre, crime contre l'humanité. Donc, vous voyez, il y a une certaine beauté dans la justice qui se refait après pour les victimes. Ah, intéressant, hein? Vous connaissez peut-être Hannah Arendt, qui est une philosophe allemande et qui a vécu aux États-Unis, puis qui était la première à parler de la banalité du mal. C'est-à-dire qu'elle a dit, en parlant du nazisme et en parlant notamment du procès de Eichmann, qui était un fonctionnaire qui a planifié l'Holocauste, elle a dit qu'il y a une certaine banalité dans le mal, pas pour banaliser le mal, mais pour dire, on voudrait que ce soit tous des méchants avec un nez croche, puis comme dans les films, qui respirent le mal tout le temps. Mais non, il y a des gens qui commettent ces gestes-là en disant « c'est mon travail, c'est normal ». Et
voilà quelqu'un, lui, il a aussi participé, c'est un Guatémaltèque, il a participé au massacre dont on parlait. Et lui, il s'est sauvé. Il a été accepté comme citoyen américain, puis ensuite comme citoyen canadien. Professeur de karaté à Lethbridge, en Alberta, au moment où on était en train de faire le procès, on ne savait même pas qu'il était là. Un monsieur tout à fait normal, un gentil voisin qui donnait des cours de karaté apprécié de tout le monde. Mais lui, dans les années 80, c'est quelqu'un qui commettait des massacres comme celui dont on a parlé. Donc, il y avait en lui une laideur extrême, mais qui ne ressortait pas auprès des gens qu'il connaissait depuis des années dans sa communauté, ici même au Canada. C'est pour ça que j'ai choisi cette photo-là, parce que voilà un monsieur tout à fait ordinaire qui donne des cours de karaté. Ensuite, lui, c'est Rodriguez Sanchez. Lui, c'est celui qui était le chef de l'intelligence au Guatemala pendant ces années-là. Lui était dans le procès, dont je vais parler dans deux secondes, qui est le dernier qu'on vient d'avoir pour génocide contre le chef d'État. Lui, on disait, lui, c'est le chef de l'intelligence, c'est lui qui planifiait tout ça. L'idée, en voyant, on monte toujours. Pour nous, ça c'est la laideur extrême, parce que c'est celui qui planifie l'ensemble. On n'a pas réussi à le faire condamner. Lui, je vous mets sa photo, c'est le chef de police de la ville de Guatemala. Intéressant, ça s'est passé cette semaine. La semaine dernière, en fait, on a réussi à le faire condamner pour l'assaut sur l'ambassade d'Espagne au Guatemala. Il y avait des paysans qui allaient se plaindre de ce qui se passait dans les campagnes, parce qu'on refusait d'admettre que ça se passait, qui s'en va à l'ambassade d'Espagne, dans la capitale, pour dire « Vous, ambassadeur d'Espagne, vous savez qu'on dit vrai, qu'on est en train de nous massacrer dans les régions. Pouvez-vous faire quelque chose? » La police l'apprend, ordonne l'assaut, pas avec un mandat de négocier ou de mettre fin, de tuer tout le monde. 37 personnes assassinées en quelques minutes, dont deux ministres du gouvernement qui étaient là, dont le père aussi de Rigoberta Menchú, qui est une des plus grandes défenseurs des droits humains du pays. Il vient d'être condamné la semaine passée pour crime de guerre, crime contre l'humanité, meurtre, tentative de meurtre, 90 ans de prison. Hier, il y a eu aussi une compensation donnée aux victimes, 200 000 $ chacun. Ah, et voilà, ça c'est le dictateur de l'époque, José Efraín Ríos Montt. Lui a été condamné aussi pour crime de guerre, crime contre l'humanité, parce que c'est celui donc, qui a planifié, qui a pensé cette stratégie-là de raser les villages du Guatemala pour se débarrasser de la guérilla. En espagnol, ce qu'il disait, c'est enlever l'eau du poisson. Si le poisson n'a plus d'eau, il va mourir. L'eau de la guérilla, c'est les campagnes, les petits villages, etc. Lui est en train de subir un deuxième procès parce que sa condamnation a été annulée. Est-ce que cette personne-là est pas belle physiquement? Est-ce qu'elle exprime la laideur? Non, pas vraiment. Mais pour moi, il n'y a rien de plus laid qu'une personne comme celle-là. Bon, j'aurais pu vous parler d'autres dossiers. En Colombie, on fait un peu la même chose. Ça, c'est le général Plazas Vegas. Lui, il a ordonné l'assaut du palais de justice de Bogota, la capitale de la Colombie, en 1985. Parce qu'il y avait un groupe de guérilleros qui était entré dedans. Mais là, il y avait des juges, des avocats, des gens qui étaient là pour leur dossier. Il a envoyé l'aviation, la militaire, pour bombarder le palais de justice, des tanks pour bombarder. Après ça, on a su que la moitié des gens s'étaient fait tirer dans le dos. Donc, lui aussi, il a été condamné grâce aux avocats qu'on appuie en Colombie. Ça, c'est Jorge Noguera. Regardez-le, hein, pas particulièrement laid non plus quand on le regarde. On pourrait même dire que c'est un monsieur qui se présente bien, haut fonctionnaire, grande carrière, dont on s'aperçoit après quelques années qu'il est le chef de l'intelligence. C'est lui le chef du renseignement de la Colombie. Et lui, il était payé par les paramilitaires pour fournir des listes de syndicalistes à faire assassiner. Jean-Claude Duvalier, en Haïti. Vous savez, la grande dictature, les viols, les disparitions forcées, l'emprisonnement abusif, la torture, etc. Le capitaine Sanogo, putschiste au Mali, des viols systématiques de femmes, des tortures de soldats opposés à son groupe, le pillage complet du trésor de l'État. Hein? Ag Ali, ça c'est le chef de Ansar Dine, un groupe plus ou moins affilié à Al-Qaïda au Mali. Lui, un cas particulier, lui, il ne croit pas même à la notion de droits humains. Il ne croit pas à l'importance de la vie. Lui, il veut imposer, évidemment, un régime islamique au Mali. Alors,
quand on pense à ces gens-là, puis on se dit, bon, est-ce qu'ils sont entièrement laids? Est-ce qu'ils sont entièrement mauvais? Est-ce que c'est la pire laideur qu'on a jamais vue? On aimerait penser ça. On aimerait se dire, c'est blanc, c'est noir. C'est pas le cas. Je parlais il y a 2 ans à un collègue qui, lui, a eu la chance de rencontrer toutes les personnes qui ont été condamnées au tribunal pénal international sur l'ex-Yougoslavie, tribunal pénal international sur le Rwanda, la Haye. Il est allé les rencontrer un à un. Puis là, il aimerait dire, j'ai serré la main du diable, comme le dit le titre d'un livre du général Roméo Dallaire. Mais il dit non, j'ai rencontré tous ces gens-là un à un, des gens polis, des gens sympathiques, des gens affables, qui ont des femmes, des enfants, qui sont vus comme des bons voisins, des bons citoyens. Et la plupart, tous les gens que je vous ai montrés, ils ont ceci en commun, c'est qu'ils ont presque tous nié leur responsabilité jusqu'à la fin. Ils ont toujours dit, non, moi, je ne suis pas responsable de ça. Il y en a qui disent, j'étais même pas là, je n'ai pas participé à ça, ce n'est pas vrai. Dans leur tête, ils se sont fait l'idée qu'ils ne sont pas coupables malgré des preuves accablantes contre eux. On parle de centaines de témoignages, des experts, des témoins oculaires, ils disent non. Les autres disent, moi, je faisais mon travail. De toute façon, c'était eux ou c'était moi et mon ethnie, mon groupe, ma religion. Et ça, c'est effrayant parce qu'on se dit, ben, ça fait en sorte que les lignes entre la laideur, la beauté, le bien, le mal ne sont pas si faciles à établir. Et c'est là l'importance de l'action, c'est là l'importance de ce qu'on appelle le droit international puis des règles. Parce que si on établit des règles plus claires, si on les fait avancer, si on les fait appliquer, si on fait condamner des gens qui ont fait ça en disant « Non, ça, on n'accepte pas ça. L'humanité n'accepte pas ça. C'est tellement laid, c'est tellement grave que même si ça s'est passé au Guatemala, en Colombie, au Pakistan, en Afghanistan, nommez tous les pays où il y a des atrocités, ça nous concerne tous. Ce sont des crimes internationaux. Ce sont des crimes contre l'humanité. Nous sommes concernés, nous, comme Québécois. Vous êtes concernés, on est concernés. Si on réussit à passer ce message-là et à le marteler, puis même si on voit des choses atroces aujourd'hui à la télévision, puis on se dit « mais non, mais les choses sont en train de s'empirer », oui, on peut dire que les choses deviennent plus laides, oui, les choses deviennent plus atroces, mais on peut dire de l'autre côté « non, le droit international est en train de progresser », puis on donne des exemples à ces gens-là qui ne sont pas nécessairement capables de distinguer le bien, le mal, le beau, le laid, de dire « on va vous donner la règle à suivre ». La règle à suivre, c'est même dans les cas de conflit, même dans les cas les plus graves, il y a des règles minimales à respecter. Puis ça, en quelque sorte, Jacques m'a posé la question quand on s'est rencontrés pour préparer. Il dit « Oui, mais vous êtes dans ces dossiers-là, comment vous faites pour supporter ça? » D'abord, c'est d'un côté, il y a la banalité du mal, de l'autre côté, il y a la normalité de l'action. Nous, on est en colère face à cette laideur-là. Ça nous révulse. On trouve ça inacceptable. Fait qu'on décide d'agir. Dans l'action, on se guérit de cette colère-là. Parce que ça fait mal quand on voit ça devant notre téléviseur. Bien, si tu agis, tu t'aides, tu te guéris, tu rétablis un peu de beauté dans ton âme, tu rétablis ta paix intérieure, puis tu as l'impression de faire quelque chose de bien. Donc ça, c'est l'eau qui éteint le feu de la colère, de l'impunité, de la laideur, de l'injustice. Puis en même temps, bien, on n'est pas à tous les jours à penser à ces atrocités-là. C'est la base de tous nos dossiers. Puis là, je pointe mon équipe, parce qu'il y a plein de gens de l'équipe d'Avocats sans frontières qui sont ici. Mais tous les jours, nous, on n'est pas constamment en larmes, puis à se dire « c'est atroce », puis tout ça. Nous, c'est à se dire « bien, il faut faire le travail, il faut appuyer les avocats, il faut envoyer les coopérants ici, il faut prévoir les billets d'avion, il faut faire le travail juridique, il faut trouver le financement pour le faire. » Et donc, c'est dans la normalité de l'action puis du travail qu'on réussit à faire en sorte que notre combat, en fait, c'est pas un combat qu'on pense perdu, c'est pas un combat qui nous désespère, c'est pas un combat qui nous attriste, c'est un combat qui nous motive, c'est un combat qui fait en sorte donc qu'on rétablit une certaine beauté. Et la richesse, en fait, c'est de travailler avec des gens comme ceux-là. Et c'est de voir toute la beauté du monde, puis tout ce qu'il y a de plus extraordinaire dans l'humanité. Ça, c'est des femmes, justement de la communauté de Rio Negro. Elles ont été aussi victimes d'atrocités comme celles dont on parle, elles sont des survivantes. Elles acceptent de témoigner de ce qu'elles ont vécu, du fait qu'elles ont été agressées sexuellement. Et ça, dans un pays comme le Guatemala, dans des communautés comme celle-là, c'est un acte d'un courage extrême. Parce qu'à cause de toute l'historique et des coutumes, quand tu admets que tu as été violée publiquement, tu as une stigmate qui t'est rattachée.
qui est rattachée à toi pour le reste de ton existence. Elles acceptent de venir témoigner. Elles font de ça un combat. Elles témoignent. Elles se réunissent et ils se réunissent dans des villages pour travailler, pour faire avancer la justice, pas pour obtenir vengeance, mais pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais, pour que d'autres ne passent pas par où elles sont passées. Ça, c'est des communautés encore avec qui on travaille au Guatemala, des victimes, des gens qui n'ont rien, mais qui sont prêts à tout pour plus que ça ne se reproduise jamais. En Haïti, c'est la même chose. Ces gens-là nous inspirent. Ces gens-là sont d'une grande beauté. Voilà un atelier de formation aussi au fin fond de la Colombie. Celle à gauche, bien, c'est une avocate avec qui on travaille en Colombie. Ça, pour moi, c'est la beauté. Edgar Pérez, un avocat absolument fantastique qui a dédié sa vie à défendre ces gens-là. Puis qui n'avait rien, puis qui dormait dans sa voiture, puis qui travaillait au départ dans un bureau minuscule avec un trou de balle dans sa fenêtre, qui passait des nuits à aller au fin fond des régions les plus éloignées du Guatemala pour travailler avec eux. Un type d'une gentillesse, d'une ouverture, d'un humour extraordinaire. C'est sa vie, c'est son combat. Et c'est ces gens-là qu'on nous appuie sur le terrain. Voici son équipe. Tous des gens comme lui qui ont fait de ce combat pour la justice leur combat personnel. Ça aussi, c'est la beauté pour moi. Un groupe d'avocats similaires en Colombie. Des gens qui sont menacés, qui ont vu leur famille menacée, leurs enfants menacés, certains d'entre eux ont été contraints à l'exil. Ils continuent à faire ce combat-là. Encore une fois, je ne vous parle pas physiquement, mais moi, quand je les regarde, je sens de l'amour pour ces gens-là. Ça m'aide, le fait de les connaître, d'avoir travaillé avec eux, d'avoir partagé une partie de leur vie, de leur combat, ça m'encourage. Ça aussi, pour moi, c'est la beauté. Danielle Magloire, c'est la représentante du collectif contre l'impunité en Haïti. Victime de la dictature duvalieriste, victime de ce que suivi avec Aristide. Elle a décidé que ce n'était pas la vengeance qu'elle voulait, c'est la justice qu'elle voulait. Elle mène un combat courageux, puis à tous les jours, elle n'est pas en train de penser aux atrocités qu'elle a subies, elle est en train de dire comment on va faire d'Haïti un meilleur pays. Grande beauté. Et ça aussi, c'est la beauté. C'est notre équipe, ici, à Québec, qui mène ce combat-là dans des situations, dans des conditions très difficiles, mais qui, à chaque jour, travaille pour rétablir une certaine beauté, puis à mettre fin à la laideur de l'injustice. C'est extraordinaire d'avoir le privilège d'être avec ces gens-là au jour le jour, autant ici que sur le terrain. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Hein? Je termine là-dessus, parce qu'on me demandait aussi de terminer avec un appel à l'action. Bien, il y a des gens déjà ici dans la salle qui ont fait quelque chose. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens de communication, je tiens à le préciser. Cabane est un des commanditaires de ce groupe-là. Il y a quelques années, j'ai rencontré les dirigeants de Cabane, puis ils ont été émus par les dossiers avec qui on travaille. Puis ils ont décidé d'embarquer avec nous, puis de nous aider en matière de communication. Bien, en quelque sorte, ils ont aidé aussi à vaincre la laideur, puis à rétablir la beauté, en plus avec des images frappantes, des images qui font mal. Allez le voir, la vidéo qu'elles ont faite, ça nous représente bien, puis on est très fiers de ce travail-là. Vous pouvez le faire aussi, à partir de chez vous. On peut changer le monde. On peut faire en sorte qu'il soit plus beau, puis on avance tous ensemble dans ce combat-là. Moi, là, je suis un éternel optimiste, puis je ne cesserai jamais d'être optimiste. On n'est pas du tout découragé, nous, par ce qui se passe. Je le disais tout à l'heure, je parlais justement avec des gens de Cabane, puis ils me disaient, « Oui, mais c'est décourageant tout ce qui se passe. » Oui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a des choses atroces qui se passent, mais je vous le dis que ce qu'on a aujourd'hui en thème d'outils pour lutter contre l'impunité, pour rétablir la justice, pour donner des compensations aux victimes, pour s'assurer que ça ne se reproduise plus jamais, que l'histoire soit écrite, pour plus jamais que ces pages-là, on ait besoin de les lire. Si on les tourne, c'est pour plus jamais les relire, les histoires de massacres, de violences, de génocides. On est en train de les écrire, cette histoire-là, puis on est en train de redonner la justice aux victimes. Puis ça, c'est très important. Il y a des gens ici qui y contribuent, je les en remercie. Je vous incite à continuer à le faire. Et je vous incite, pour en savoir plus sur nos activités, puis pour voir certaines des victimes dont on a parlé, allez aussi sur YouTube. Faites Avocats sans frontières en première ligne. Vous allez voir les histoires que je vous ai racontées, mais racontées par les victimes elles-mêmes. C'est 25 minutes, je vous jure que vous n'en lirez pas. Allez le voir, prenez le temps de le faire. Puis prenez le temps d'aller découvrir qui est la principale personne donc, qui a inspiré José du début de ma présentation. Il s'appelle Jesús Tecu. Il existe, ce type-là. C'est vraiment lui qui a survécu à ce massacre-là. Comme je vous dis, j'ai ajouté des éléments d'autres massacres, mais il existe. Allez le voir. Allez écouter son témoignage. Il a perdu, sa famille a été massacrée devant lui.
Sa mère a été violée devant lui. L'histoire du frère, c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, c'est un homme d'une grande beauté qui vous parle d'un calme incroyable, qui parle de pardon, qui parle de réconciliation, qui parle de justice, qui parle de dignité humaine. Je ne sais pas vous, mais ça, moi, ça m'inspire à continuer à travailler pour lui. Merci.